on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que ma team 64 va très bien. Et aujourd'hui, on est avec BFT Gaming. Bonjour à tous, c'est BFT Gaming. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. Donc, je vais vous dire le titre de ce court-métrage, puis Laurie s'expliquera ce que c'est. Donc, c'est Avenue Nulle, tirer les super-héros nuls. Voilà, c'est un peu un court-métrage qui parle de super-héros nuls qui sortent de l'école, c'est des élèves qui sont à l'école, ils sont nuls, ils essayent de devenir super-héros. Enfin, voilà, je vous laisse le regarder et Laurie va vous expliquer. C'est parti! Alors, comme a dit... Normalement, il y a la bande-annonce, mais lui va plus vous expliquer parce que c'est un des acteurs du film, du court-métrage. Alors, comme a dit BFT Gaming, c'est un film de... On s'en fiche, hein. je mets pas de fond vert, là, c'est juste pour décorer parce que j'ai rien d'autre. Donc, comme a dit BFT Gaming, c'est bien évidemment un film sur des super-héros nuls. Comme on avait dit dans la super vidéo de Swinging Spider-Man, qui s'affiche, hop, juste là, tic. Vous pouvez cliquer dessus pour aller la voir. On avait dit qu'on allait faire un court-métrage sur le thème de super-héros. Et on vous l'avait promis surtout, et là, il vient d'arriver. C'était nous, avec BFT Gaming, on a pris beaucoup de temps à le faire. Ouais, une journée. Et aussi, on a adoré le tourner parce que c'était vraiment trop bien. C'est un des meilleurs, j'adore. Bah moi, je pense que c'est mon préféré. On a pris du plaisir à le tourner, on a pris du temps surtout, on a pris du plaisir et c'était vraiment incroyable, incroyable. On est carrément allé devant mon école pour faire le court-métrage, tout le monde nous regardait comme ça, mais sinon ça allait. Et donc je vais le laisser parler un peu à ta chaîne YouTube. Ouais voilà, c'est un peu ce que vous avez dit Loris. Donc franchement, c'est un court-métrage, si vous êtes en famille, regardez-le parce que vous allez tous vous marier pour une fois que... C'est quand même bien fait. Et que c'est familial. Ouais, c'est très... parce que comparé à l'école du BG, où c'est... Un peu pour enfants, on va pas trop se mentir. Ouais. Là, c'est quand même... Et là, pareil pour... Plus pour les adultes, je pense. Pareil pour... En fait, ça reprend un film d'adulte, version... Version à la con. Alors, version à la française. Ouais, je sais pas si vous avez vu Super Héros Malgré lui, la pub pour Philippe Lachaud, il a fait un film. C'est un peu la même chose. Ce que nous, on tombe pas malade, on est juste des enfants qui veulent devenir super-héros. Sauf que lui, il se casse la tête. Enfin, je vais pas expliquer l'histoire du film. Si jamais vous avez pas vu, ben voilà. Mais sinon, voilà, ça ressemble un peu à ce film-là que Philippe Lachaud a créé. Voilà, en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. On vous souhaite un bon court-métrage avec Loris. Et attendez. Ah oui, attendez. Et c'est, comme je disais, c'était... c'était pareil pour Mario 64 en version hackée, où c'était aussi... plutôt geek et les parents je pense pas qu'ils comprennent trop là-dedans. Et donc vas-y je te laisse finir. Voilà, place au court métrage et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un gros like. J'ai eu un trou de mémoire en je sais pas combien de temps mais c'est pas grave, j'ai eu un trou de mémoire. Bon court métrage. À te rattraper, on est devenu des super héros super nuls. Wouhou. Allez, c'est parti pour fêter ça. Une partie de Super Mario 64 sur Switch. Ouais, une partie de Switch. Oh, voilà. Faut s'enfuir, il faut s'enfuir.
j'espère qu'il vous aura plu, les boys, excuse-moi. J'espère qu'il vous aura plu. Pour vous dire, on a passé beaucoup de temps encore une fois, parce que je l'ai dit au début de la vidéo. Mais voilà, bon, ben, je te laisse, comme j'ai rien à dire de plus, je te laisse parler. Et donc, et ben voilà, les potes, c'est la fin de ce court-métrage. J'espère qu'il vous a plu. Enfin, que c'était un thème assez différent de, par exemple, quand on a fait nous deux l'école du BG, ou encore quand on a fait Mario 64 en version hackée, et que moi j'ai fait, c'était assez différent. Et quand moi j'ai fait par exemple le court-métrage avec ma classe sur les voyages, il y avait vraiment plein de thèmes, parce que c'était basé sur les voyages. Et là je trouve qu'on sort un peu de notre zone de confort. Ouais, comme on dit. C'est ça. Parce qu'on change de thème et on espère vraiment que ça vous plaira, parce qu'on y a passé du temps. On a cherché des costumes, surtout moi. Moi, c'est moi qu'on va. On peut dire c'est moi qui m'occupe des costumes à chaque court-métrage. Toi, tu t'es occupé des costumes. À chaque court-métrage, je m'occupe des costumes. Alors, vous allez dire que c'est de la merde, mais pour ce cas, Loris, c'est super bien. Loris, il a pas. Bon, il y en a quand même beaucoup comparé à moi ce que j'ai chez moi, mais voilà, il y a des qui sont trop petits, donc faut bien choisir. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas les costumes vous auront plu. Dites-nous en commentaire si ça vous va ou pas. Et moi je m'occupe du montage comme d'habitude. Genre je m'occupe du montage avec les coupures et tout. Et lui il s'occupe des costumes. Et ensuite, aussi de toute la partie. Ensuite par exemple lui il s'occupe de la mise en scène. C'est-à-dire toi tu t'occupes beaucoup de chercher les plans. Genre moi je te raconte l'histoire. J'essaie de trouver l'histoire. À chaque fois c'est toujours moi qui l'ai trouvé. Je sais pas pourquoi c'est toujours moi qui ai trouvé les histoires. Et toi en fait ce qui est bien c'est que ce qui est bien avec toi c'est que toi t'es un super mec pour genre en fait il nous trouve les plans, genre faut se mettre dans l'angle, faut se mettre ici et tout. Et à chaque fois tu nous fais des plans de malade pour les courts-métrages. Bon, sauf quand il y a Monsieur le Trépied qui est juste là. Mais et des fois on peut pas le mettre partout non plus, mais voilà. Oui, genre dans l'herbe ou quoi, et on a besoin de déplacer la caméra. Et c'est pour ça qu'on a demandé à quelqu'un de nous aider à filmer. Et donc, et ben voilà, les potes, hein, du coup, j'espère que ce court-métrage vous a plu. Et on vous dit à la vidéo prochaine. C'était Loris 64 et BFT Gaming. Ciao tout le monde!